Ce qui m'importe, c'est que mon peuple reste avec moi jusqu'à la fin. Et c'est ce qui se passe en fait. Le 15 février 2011, le pays de Muammar Kadhafi est à son tour touché par le vent de contestation qui souffle sur les pays arabes. Une manifestation réunit à Benghazi plusieurs centaines de personnes. Elle donne lieu à des affrontements qui font une quarantaine de blessés. C'est le début de la révolte libyenne. On en parle aujourd'hui avec Bernard-Henri Lévy. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes philosophe écrivain, auteur de « La guerre sans l'aimer », journal d'un écrivain au cœur du printemps libyen chez Grasset. Plus encore qu'un témoin, vous avez été un acteur de cet événement. On verra pourquoi dans un instant. D'abord, lorsque ce premier mouvement éclate, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous dites, ça y est, la révolution libyenne est en marche? Je me dis d'abord, ça y est, la répression est en marche. Mon premier sentiment, c'est la peur. La peur de la réaction qui sera celle de Muammar Kadhafi. Et puis après, je me dis aussi, il n'y a décidément pas de fatalité dans les pays arabes pour le despotisme et la soumission. Voilà, je me dis ça. Alors c'est la ville de Benghazi qui va être à l'origine de ce soulèvement. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les habitants de cette ville sont particulièrement remontés contre Kadhafi? Il y a des tas de raisons, à la fois parce que d'abord ils sont loin de Tripoli, hein, c'est un pays immense, et puis ils ont été maltraités depuis 40 ans, traités en citoyens de seconde zone, donc il y a une espèce de rancœur, d'amertume qui s'est accumulée depuis des décennies et qui explose, voilà. C'est probablement la raison. Un mois après le début des manifestations, en mars 2011, donc, Nicolas Sarkozy va lancer l'opération militaire contre Kadhafi au nom d'une coalition de 6 pays. Quel a été votre rôle ? Mon rôle a été, à ce moment-là et dans les mois qui ont suivi, de créer et de maintenir le lien entre la France et les rebelles, les meilleurs des rebelles libyens. Les meilleurs, c'est-à-dire les démocrates, les libéraux, les pro-occidentaux, etc. C'est moi qui, en effet, les ai amenés à Nicolas Sarkozy le jour de la reconnaissance du CNT. Je lui amènerai plus tard les commandants de Misrata venus demander une aide spécifique pour Misrata. Je lui amènerai le général Abdel Fattah Younes, assassiné quelques semaines plus tard, qui venait proposer un plan d'attaque à partir du Jebel Nafusa. Voilà, si j'ai eu un rôle, c'est celui-là. C'est pas, il y avait des militaires, il y avait des stratèges, il y avait des diplomates, il y avait un ministre des Affaires étrangères qui était un Juppé. En revanche, comme je passais mon temps à faire le va-et-vient entre la Libye et Paris, et que j'avais la confiance des dirigeants libyens, de ces dirigeants de cette direction fantôme, comme ça, qui émergeait des décombres de la dictature, j'assurais cette espèce de lien avec la France. Certains appellent cette guerre la guerre de Nicolas Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy. À tort ? Oui, à tort. C'est la guerre du peuple libyen. Et c'est la guerre des aviateurs français, danois, qataris, anglais. Non. Encore une fois, mon rôle, c'est exactement celui que je vous ai dit là. C'est-à-dire, mon rôle a été du premier au dernier jour, d'abord de ne pas me décourager. Ça a été une espèce de ténacité comme ça, à assurer ce lien. Et certains disent qu'il ne fallait pas faire cette guerre, c'est ce que disent en tout cas vos détracteurs. Que leur répondez-vous ? Bah écoutez, mes détracteurs, est-ce que c'est le sujet ? Là, il s'agit d'un peuple, de son avenir, de sa liberté, de son futur, qu'on oublie les polémiques parisiennes. Mais est-ce qu'avec le recul, vous ne vous dites pas qu'il y a eu peut-être précipitation dans ce déclenchement de conflit ? Il y a sûrement eu précipitation, mais il y avait plus grande précipitation encore du côté de la dictature qui envoyait ses chars sur Benghazi. C'est-à-dire qu'au moment où Sarkozy, le samedi à 17h, où il décide de faire décoller les avions, les chars de Kadhafi commencent à bombarder Benghazi. Et le fils de Kadhafi, Saïf al-Islam, vient de faire cette déclaration terrifiante en disant que des rivières de sang couleront dans Benghazi. Donc bien sûr, il y avait une précipitation nécessairement indexée sur l'espèce d'horreur qui se mettait en marche. Et pourtant, on vous fait beaucoup de reproches 3 ans après de vous être impliqué dans ce conflit à ce point. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? Pas une seconde. Ou à titre personnel ? Mais pas une seconde. Si je le regrette, vous plaisantez.
Pas une seconde. Je pense que c'est une belle chose qu'a faite la France. C'est une grande chose. Ne serait-ce d'ailleurs que montrer à un peuple arabe et aux peuples arabes en général que l'Occident, la France, n'étaient pas des ennemis par nature des peuples de cette région et n'étaient pas des amis par nature des dictateurs. Vous verrez dans la durée à quel point cette idée-là, cette image-là d'une France, d'une Angleterre, d'un Nicolas Sarkozy, d'un Cameroun, qui n'étaient pas les amis du dictateur, mais les amis des peuples, à quel point ça fera du bien aux relations entre notre partie du monde et celle-là. Donc ne serait-ce que pour ça, je ne regrette pas. De surcroît, on ne peut pas regretter la fin d'une dictature aussi sanglante, aussi cruelle, aussi impitoyable. Quels que soient les soubresauts qui suivent, on ne peut pas le regretter. Mais est-ce que vous vous attendiez aux résultats qu'on voit aujourd'hui en Libye ? Les résultats, qu'est-ce que vous appelez résultats ? D'un côté, il y a pour les premières élections libres qu'ait connues la Libye en juillet 2012, une défaite en race campagne des islamistes radicaux. C'est le seul des pays arabes où les islamistes ont été battus, où est venu au pouvoir et est toujours au pouvoir un premier ministre que je connais bien, qui s'appelle Ali Zaïdane, qui est le personnage principal du livre que vous avez cité tout à l'heure et du film qui avait suivi, qui est un démocrate, libéral, pro-occidental, ami des droits de l'homme, longtemps président, aucune compromission avec le régime ancien, rien à voir avec les islamistes, longtemps président de la Ligue des droits de l'homme libyenne en exil. Donc, d'un côté ça, et puis de l'autre côté, bien sûr, des désordres, des armes qui n'ont pas été rendues. Oui, mais beaucoup. Ça va loin. Certains observateurs parlent de trafic, de rackets, de racisme anti-noir, de massacres quasi quotidiens. Massacre quasi quotidien, c'est faux. C'est faux. Et je ne veux pas me lancer dans ces comptabilités, ce serait parce que même un mort, c'est évident trop. Mais si vous comparez même à l'Irak, par exemple, qui elle était une, la guerre en Irak était une vraie erreur, ça n'est pas comparable. Donc il n'y a pas de massacre quasi quotidien. Des rackets, des trafics, oui, bien sûr. On ne peut pas. Quand un pays sort de 40 ans d'étouffoir, de matraquage comme celui-là, où non seulement il n'y avait pas de droit, mais il n'y avait pas d'État, mais il n'y avait même pas de société civile, on ne peut pas imaginer que par enchantement, une société civile va s'organiser. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, peut-être davantage que le trafic, le racket et les islamistes, c'est par exemple les femmes de Benghazi qui sortent dans la rue, qui manifestent contre les frères musulmans, qui vont détruire leurs locaux parce qu'elles ne veulent pas de ça dans leur ville. Il y a une vitalité des... Il y a les deux. La Libye, comme le monde arabe en général, s'est remise dans l'histoire. Le mouvement de l'histoire a repris. Et il y a une bataille sans merci entre les islamistes radicaux, les islamistes modérés, bien sûr. Alors, à nous maintenant, parce que c'est vrai qu'il ne suffisait pas de libérer la Libye du joug de Kadhafi, il faut continuer. À nous d'aider les démocrates et les modérés, sur la durée, j'espère pas trop longue, à l'emporter sur les radicaux et les islamistes. Bernard-Henri Lévy, si je vous demande de terminer cette phrase, le 15 février 2011, c'est le jour où, que me répondez-vous ? C'est le jour où un peuple s'est révolté, c'est le jour où un peuple a décidé que c'en était assez, des pendaisons en place publique régulières, quasi hebdomadaires, que c'en était assez, des manifestations d'étudiants réprimées à la mitrailleuse lourde, et que c'en était assez de dire qu'il y avait entre le monde arabe et la liberté une incompatibilité de nature. C'est le jour où tout ça s'est dit et s'est passé. Et c'est un jour plutôt heureux. C'est un jour heureux. Merci beaucoup, monsieur Lévy, d'avoir été mon invité dans le jour où. L'information continue sur LCI.